commence à vraiment, vraiment m'énerver. C'est ça. Et ça. Les rats aux pieds. Encore un là. Un autre ici. Et là. Et malheureusement, je n'ai pas beaucoup de solutions. Encore un là, que j'ai rebouché hier. Ici, vous voyez, il est là. Et ça, c'est une bouture que j'ai faite juste hier. Ben voilà, ils l'ont déjà mangé. Ici, il y a deux trous, un et un autre. Il y en a un là que j'ai rebouché hier. Ben juste à côté, il y en a de nouveau un autre. Et là, il y en a un autre et un juste devant. C'est désespérant. Ben tiens, encore un autre là. On a essayé les pièges pour se débarrasser des rats aux pieds. La première année, ça a bien fonctionné. En l'espace de 15 jours, on en a attrapé 17, je crois, quelque chose comme ça. Et puis depuis, plus rien. Ils passent à côté des pièges et ils rebouchent les trous des pièges, donc ça déclenche les pièges. Mais ils se font plus avoir par les pièges. Mettre du poison dans le potager, bof. Du coup, bah, en ce moment, je contemple juste les dégâts, le désastre. Et j'avoue que c'est désespérant de passer autant de temps à faire son potager pour découvrir que tous les oignons perpétuels ont été mangés. Alors qu'on dit quand même que les rats aux pieds, ça aime pas les aliacées. Bah si, chez moi, ils viennent les manger. J'avais deux superbes pieds de céleri qui repoussaient d'une année sur l'autre. Bah, les deux, ils ont été dévorés. Les salades, ils viennent les prendre. Ils dévorent tous les navets, les carottes, enfin toutes les racines en gros. Du coup, c'est désespérant, voilà. Je ne sais plus quoi faire avec les rats aux pieds. Si quelqu'un a une solution... Je suis preneuse, parce que oui, aussi, bah, je sais pas s'ils en ont refait d'autres depuis hier, j'espère pas, mais on a planté les pommes de terre, enfin planté, on les pose sur le sol, et on recouvre de mulch, et bah, voilà ce qu'ils font. Hop, ils ouvrent le paillage, ils prennent la patate de semence, et ils s'en vont. Voilà, bon, bah... Des dégâts quoi.